Bonsoir les amis, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien ma voix? On va faire un petit test son avant de lancer le live. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Max, bonsoir les jumeaux, bonsoir Olivier, bonsoir Léo, bonsoir Reg, bonsoir Dre, bonsoir Mathis, bonsoir Cam, bonsoir Jérémy. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai pas de réponse. Alors, le son est ok, le son... Ok, on a un petit délai. Très bien. Alors, on va faire une petite pause dans ce haut lieu de la plongée. On reviendra peut-être plus tard. Bienvenue dans la crotte à Pérez. Vous m'entendez bien? Parfait. Merci, Johan. Merci, Léo. Ok, super. Merci, Olivier. Donc, je vais vous introduire un petit peu le sujet du live de ce soir avec Nicolas Sexic de Plongée Tech Marseille. Et nous allons apparaître... Nicolas, tu es à l'image. Bonsoir à tous. Tout le monde. Alors, le sujet du live de ce soir, ça va être, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, et c'est ce qu'on va dérouler aujourd'hui, comment planifier une plongée. Le but étant un petit peu d'introduire d'autres contenus qui viendront plus tard, où on ira en profondeur peut-être sur des plongées plus profondes, sur des plans plus profonds et plus spécifiques. Mais là, vous expliquer un petit peu la logique qu'il y a derrière la planification de plongée, car... Pour ma part, il est vrai que dans mon cursus, la planification de plongée était beaucoup plus légère que ce que j'ai pu découvrir avec vous chez Plongée Tech Marseille. Est-ce que tout le monde voit bien et entend bien Nicolas? Je vais te laisser la parole, Nicolas, si tu veux passer le bonjour à tout le monde et peut-être contextualiser un petit peu plus avant qu'on lance notre cours. Oui, bonsoir à tous les amis. Donc, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, évidemment. J'en profite pour saluer ceux avec qui même on a pu plonger et partager de belles aventures aujourd'hui. Donc, Jérém, salut. Kamel, qu'on a croisé ces jours-ci aussi, bonjour à toi. Donc, effectivement, ce soir, on va aborder la thématique de la planification en plongée. Alors, c'est un sujet qui est vaste. Évidemment, ce soir, on n'aura pas l'ambition de traiter ce sujet de manière très exhaustive parce que c'est un sujet qui est fondamental en plongée et qui doit nécessairement s'accompagner de la pratique associée. Donc, on va l'aborder d'une façon très conceptuelle, avec l'ambition de vous mettre un peu à la bouche sur qu'est-ce que c'est que la planification et comment on s'y prend, de vous expliquer un petit peu dans le cadre de certaines formations quel est le périmètre des choses qu'on peut faire en termes de planification et pourquoi c'est important. Et là, ce soir, on va être amené à vous donner un certain nombre de tuyaux, des tips intéressants qui vont peut-être vous amener à rafraîchir votre mémoire sur les questions de plongée profonde, ou alors de découvrir des choses. Et si c'était le cas, écoutez, j'en serais enchanté. Notre ambition ici à Radio Tech Marseille, c'est de partager des informations, de partager du métier. Et ce soir, on va essayer de vous en donner. J'en profite aussi éventuellement le chat pour vous ouvrir un petit peu sur le sujet, avant que nous, on vous donne des explications. Selon vous, on serait ravis avec Nicolas de peut-être voir ce que vous pensez d'une planification et quelle est, si vous avez envie de jouer le jeu, votre vision de la planification. Qu'est-ce que la planification pour vous? Et nous, après, on va vous dire, planifier une plongée, c'est quoi? Mais dites-nous ce que vous en pensez. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une planification? Est-ce que tu vois le chat, Nicolas? Oui, je le vois. Donc, ça va peut-être prendre quelques secondes, il va y avoir petit décalage entre le temps où on pose les questions. Mais ils sont peut-être tous là en train d'écrire leur règle à eux. Mais c'est toujours intéressant, je pense, de voir les perspectives de chacun. Parce que moi, dans mon cursus, planifier une plongée, c'était principalement sélectionner un moment au décollage, que ce soit la pression de la bouteille ou atteindre une limite de non-décompression. Mais ça, c'est plus dans les faits. Après, à voir ce que nous disent notre chat. Donc, on a Cam qui nous répond, c'est indispensable et souvent négligé en plongée. Tout à fait. Mais toi, quelle est ton approche de la planification? Dans ce que tu viens d'évoquer, là, quand tu parles effectivement des critères de décollage, le critère de décollage, ce sont des éléments que l'on va déterminer à l'issue de la planification. C'est la planification qui va permettre de déterminer ces éléments-là. Une plongée, quand elle se déroule dans les meilleures conditions, c'est une plongée où on ne découvre pas les choses chemin faisant, mais où on va se projeter dans la plongée d'une manière efficace pour ne pas se laisser surprendre par les événements, se laisser surprendre par les lois de la physique, par les lois de la consommation, et dans lesquelles on va effectivement prendre le contrôle sur les paramètres de la plongée. Et une bonne planification doit devenir la source d'un bon briefing
et donc de tous les paramètres de pilotage de la machine qui vont nous permettre de finir la plongée dans les meilleures conditions. Tu as parlé des paramètres de décollage, et ça, on va les voir en détail après. Il y en a plusieurs. Dans certains cas, on va en avoir beaucoup. Dans d'autres, on va pouvoir faire des choses très simplistes. Et l'ambition ce soir, c'est que, évidemment, quand on parle planification, souvent, il y a une obsession systématique à vouloir utiliser des outils assez performants, des outils de calcul pour le faire. Alors, dans certains cas, c'est indispensable, on n'a pas le choix. Et bien souvent, dans des plongées simples, on peut avoir recours à des techniques de calcul ou des approches empiristes qui sont très simples et qui permettent de planifier la plongée vraiment en quelques secondes. Sans rentrer trop en détail, justement, est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil au chat, vu qu'on a commencé à nous répondre? Peut-être que ça permettra de faire un rebond. Moi, pendant ce temps-là, je vais changer de scène et hop, on va passer sur le PDF qui va nous guider. Et peut-être que tu peux éventuellement répondre. On a Rec, on a Kevin, on a Loïc, Oui, Olivier ben là, qui on a nous beaucoup amène des pistes. effectivement, beaucoup d'observations de remontées là, de la part des uns et des autres, la CAM, REC1 et tout, qui sont très justes. La planification, effectivement, ça consiste à déterminer ces paramètres, des paramètres qui permettent de s'extraire du fond, qui est la zone profonde en plongée. Et parmi ces paramètres, il y a essentiellement le temps, la profondeur, le gaz, les signes. Et souvent, la planification, c'est pas simplement créer les bonnes conditions pour la remontée en termes d'autonomie en gaz, mais c'est aussi pour créer les bonnes conditions pour trouver le point d'extraction de la plongée. Le point d'extraction, c'est l'endroit où on commence et ensuite le point où on finit. Ce point où on finit, il peut dépendre éventuellement de l'itinéraire, de la difficulté que les plongeurs rencontrent dans les conditions météo, dans le courant. Donc, il y a beaucoup de choses. Là, je vois aussi certaines réponses où vous parlez des réchappes, du cap. Tout ça, c'est très juste. L'ambition d'un plongeur rigoureux, c'est effectivement, comme vient de le dire Reda Bensiam, c'est de plan the dive and dive the plan. C'est-à-dire, effectivement, de planifier sa plongée, de se tenir au plan. Et après, toujours avec à la marge la possibilité de revoir quelques paramètres, de s'adapter aux conditions non prévues de la plongée. Dans les grandes lignes, si on devait simplifier et résumer en quoi consiste la planification de plongée, elle consiste à déterminer pour une profondeur donnée les paramètres à ne pas dépasser qui sont bien, bien fréquemment le temps passé au fond ainsi que la consommation que l'on va réaliser sur le fond pour disposer lors de la phase de remontée d'une quantité de gaz qui soit suffisante pour venir à bout de la décompression tout en conservant une marge de sécurité. Donc là, on est dans le planifier, c'est quoi? C'est la définition que tu emploies. Moi, c'est celle qui me paraît être la plus juste, hein, effectivement, c'est de déterminer de quoi on a besoin pour faire une plongée et ne jamais se retrouver à court et pouvoir terminer la plongée dans les meilleures conditions. Alors, le gaz est absolument déterminant. La décompression qui va s'associer au temps fond, à la profondeur réalisée, va effectivement conditionner les paramètres de remontée. Ces paramètres de remontée, est-ce qu'il y a des règles particulières que tu vas devoir mettre en place, justement? Des règles, par exemple, au tiers ou... Alors ça, on va y venir plus tard. Très bien. Mais ce que j'aimerais bien, en fait, faire passer comme message, c'est que la planification, c'est une démarche préalable à la plongée. C'est une démarche conceptuelle. On pourrait parfaitement arriver à la conclusion que pour une plongée donnée, tel temps de plongée fond ou telle consommation, c'est le couple cohérent pour une plongée donnée, et la prendre par l'expérience. En faisant ça, on risque de s'exposer à certains dangers. Quand je vous dis vivre, ce n'est pas survivre. C'est que moi, j'aime bien aborder la thématique de la planification à travers une approche rationnelle des choses, qui va se faire par le calcul. On va voir aussi un peu par l'empirisme, mais de rationaliser une pratique pour ne pas avoir à découvrir, ne pas découvrir chemin faisant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'idée, c'est pas de se dire bon, ben, cette fois c'est passé, j'ai réussi à survivre, et ben la fois d'après, vraisemblablement c'est une recette qui fonctionne, alors on continue comme ça. Ou alors c'était un peu chaud et donc la prochaine fois je ferai un peu moins difficile. Et donc l'idée, c'est vraiment de déterminer ces paramètres avec des méthodes rationnelles, avec des calculs, avec des outils performants, et de ne pas s'aventurer dans une aventure folle au bout de laquelle on serait susceptible de ne pas arriver. Parce que qu'est-ce qui pend au nez d'un plongeur qui ne saurait pas faire une bonne planification? C'est de se retrouver au fond sans tenir compte de ces paramètres et de ne pas voir la saturation s'accumuler, les paliers s'accumuler, la pression de gaz diminuer, de se laisser surprendre par une absence de gaz, et ensuite de remonter au mauvais moment et de se retrouver coincé à profondeur de palier avec
plus suffisamment de ressources pour en venir à bout et de devoir soit shunter ses paliers et se retrouver en surface avec un risque d'accident de désaturation, ou alors vraiment dans une situation extrême avec plus de gaz et donc le risque de noyade. Donc l'idée, c'est de ne pas tomber là-dedans. Et pour ne pas tomber là-dedans, c'est de faire toute la démarche intellectuelle préalable à ça pour que la plongée soit un instant qui a été virtuellement vécu au préalable de la plongée physique, mais de manière virtuelle. On va continuer maintenant sur comment est-ce qu'on planifie, quels sont les outils à notre disposition, quelles sont les logiques que tu finis par mettre en place grâce à l'expérience, justement. Alors, ce n'est pas toujours face à l'expérience, mais on va distinguer, là, dans l'histoire de la planification qu'on va aborder, différents niveaux de difficulté, de complexité. Parce que planifier une plongée avec un mono 15 litres, avec de l'air sur une profondeur de 50 mètres, ça n'est pas exactement la même chose que de programmer une plongée avec un bi-bouteille, avec peut-être deux ou trois blocs de déco supplémentaires. Dans certains cas, le calcul devient trop complexe. Il faut forcément se faire assister par des outils de calcul qui seront performants, qui vont réussir à tenir compte de toute la diversité de paramètres pour ne pas se retrouver dans des calculs trop alambiqués, dans lesquels le risque d'erreur serait trop élevé et le calcul trop fastidieux à réaliser. Là, je me suis permis d'évoquer quatre façons de planifier, qui pour une est la pratique historique, celle que moi j'ai commencé à utiliser quand j'ai fait mes premières plongées, quand on faisait les premières plongées à 50 ou 60 mètres de profondeur avec un monobloc de 15 litres rempli d'air, on n'avait guère d'autres solutions pour planifier que d'utiliser une bonne vieille calculette et des tables de plongée. Alors, c'était une méthode qui était relativement performante, quoique un peu longue et fastidieuse, mais ça fonctionnait. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On calculait sur une consommation qui aurait été évaluée au préalable, une consommation en litres-minutes du plongeur. On évaluait sur un séjour fond à une profondeur donnée et pour un temps donné, la consommation sur la partie fond. Ensuite, on évaluait la consommation sur toute la phase de remontée. Et ensuite, sur les temps de plongée qu'on retrouve sur les tables de plongée, les tables MN90, on calculait à ces profondeurs-là les consommations et on arrivait à estimer ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas, et auquel cas, on réduisait les temps fonds. Mais c'est extrêmement fastidieux et ce n'est pas une pratique qui est dans l'air du temps à aujourd'hui, en 2024. Kevin, est-ce que toi, tu t'imagines, avant d'aller faire une plongée à 50, sortir ton jeu de table, ta calculette pour faire cette démarche? Bon, ça, moi, ça me paraît plus très, très pertinent, mais tu vas me dire ce que tu en penses, peut-être. Sur le principe théorique, moi, je trouve ça toujours intéressant de l'enseigner. Alors, pour des plongées à 50, moi, ça m'inquiéterait toujours un petit peu parce que les tables ne prennent pas forcément en compte les aléas qu'on peut avoir, le fait peut-être de glisser ou d'avoir un problème qui nous amènerait à devoir majorer nos tables sous l'eau en refaisant des calculs. Moi, ça reste quand même quelque chose que j'aime à enseigner, en tout cas sur le principe théorique, mais dans la pratique, je vais beaucoup plus me fier à mon ordinateur. Je sais que dans la petite communauté de plongeurs qu'on a mis en place, certains utilisent des applications lors de leur plongée vraiment engagée, mais moi je me réfère pas mal à mon ordinateur qui me permet déjà prévoir ma plongée, puisque certains ordinateurs peuvent, même tous les ordinateurs permettent de projeter une plongée et de savoir quel temps de NDL nous allons avoir. Et ensuite, lors de ma plongée, le fait d'avoir mon ordinateur, ça me permet quand même aussi de m'adapter en cas de surprise, quoi. Enfin, j'espère ne pas dire quelque chose de trop grossier. Je suis plus trop effectivement sur du calcul à l'ancienne en pratique réelle, quoi. Alors, moi, je te rejoins assez. D'un point de vue purement pédagogique, je pense que c'est effectivement un incontournable de savoir le faire. Parce qu'être capable de calculer sa consommation en litres-minutes et ensuite d'être capable, avec une petite calculette, de faire une consommation moyenne à une profondeur moyenne, c'est une démarche intellectuelle qui est indispensable pour bien comprendre les outils qu'on peut utiliser après. Après, comme tu le disais, effectivement, il y a désormais des outils qui sont quand même beaucoup plus performants, qui permettent de calculer et d'appréhender la démarche de la planification plus simplement. Alors, il y a quelques années, c'était très à la mode. Il y a eu beaucoup d'applications informatiques qu'on trouvait au début sur les PC ou sur les Mac, qui permettaient de calculer des runtime avec des consommations de gaz, avec des gaz en particulier. Désormais, toutes ces applications, ces programmes informatiques se sont invités sur les smartphones parce qu'on trouve plein d'applications qui sont très bien faites. Je pense à Multideco, à IDECO, Baltic. Ce sont des applications qui sont très commodes et qui sont plutôt destinées aux plongeurs tech et qui permettent de se projeter sur des plongées en faisant des calculs
assez facilement, qui permettent de modifier quelques paramètres et de très rapidement refaire des calculs en un clic et de comparer des résultats et de pouvoir in fine trouver la planification idéale, le mix gaz qui va bien, le combo mix étang fond et profil de plongée qui vont bien. Donc là, on a des outils qui sont extrêmement performants. À mon sens, ils ont ça de contraignant quand même que je ne peux pas m'empêcher de garder le souvenir de la façon dont était pratiquée la plongée trimix il y a encore une dizaine d'années. Il y a 10 ans, la tradition, quand on faisait de la plongée au trimix, consistait à gonfler des gros volumes de gaz que l'on analysait uniquement le lendemain. Et le matin, avant d'aller faire sa plongée, donc on analysait ces gaz à la lecture des résultats et des compositions. On rentrait les données dans un ordinateur, dans une application, et on générait des runtime, et après on appliquait ces runtime à la table. C'était des process qui étaient assez longs, assez fastidieux, oui, qui pouvaient aussi impliquer pas mal d'erreurs dans la recopie des informations, et qui n'étaient pas forcément très souples dans l'utilisation. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont beaucoup plus versatiles. Si on utilise l'ordinateur, qui est aujourd'hui l'ordinateur le plus courant chez les plongeurs confirmés et les plongeurs tech, ça va être le ShareWater. Et avec le ShareWater, désormais, on a la possibilité de calculer très rapidement ces planifications et de pouvoir se projeter dans la plongée en étant sur un bateau, les mains mouillées, sans avoir du matériel informatique sur les pieds, quoi. Avant qu'on aille plus loin, ça pourrait être intéressant qu'on demande au chat, vous, qu'est-ce que vous utilisez lorsque vous planifiez vos plongées, quelles sont vos méthodes. Et je ne sais pas si tu as vu le message de TN, donc TN Diver qui fait partie d'un groupe de plongeurs qui sont justement allés faire des plongées très techniques au Blue Hole à Dahab il y a quelques semaines, je pense que je t'en avais parlé. Et donc qui, eux, se sont vraiment formés sur de la planification en multigaz. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, TN, si tu veux partager ça avec nous. Et toi, qu'est-ce que ça t'inspire, le calcul minimum de gaz par calcul, mais plan de déco avec appli, et on vérifie des calculs par appli. Dans la pratique courante, c'est une pratique qui tend à ce calcul qui va se faire avec des applications. C'est une pratique qui tend à se faire dans la phase de conception de la plongée. Mais ça n'est plus une phase, c'est pas une démarche que l'on va faire pour la partie opérationnelle de la plongée parce que ça suppose de faire de la plongée au runtime. Ça pose un peu la même question qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est pertinent de se mettre à plonger à la table? La plongée à la table, c'est une plongée qui est pas simple, qui demande beaucoup de précision dans le profil. Et aujourd'hui, quand on a désormais des ordinateurs qui peuvent faire tout ce calcul pour vous et que tu peux même avoir plusieurs ordinateurs au poignet qui vont assurer une redondance dans le calcul, ces calculs, ils me paraissent être intéressants à réaliser au préalable de la plongée, mais ils ne peuvent pas aider à piloter réellement la plongée sous l'eau en utilisant les runtime avec les ardoises qu'on utilisait encore il y a 10 ans. En moyenne redondance, pourquoi pas avec des timers, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, ce qui me paraît être le plus efficace et le plus simple à mettre en œuvre, ça restera définitivement l'usage des ordinateurs. Toutefois, à nuancer, parce que j'ai quand même fait l'expérience à plusieurs reprises d'ordinateurs qui étaient capables de rendre l'âme en pleine plongée sur des plongées très engagées. Ça m'est arrivé sur des plongées avec 3 heures de DTR de me retrouver avec plus d'ordinateurs, et dans ces cas-là, il faut quand même finir. Donc cette démarche, elle est très intéressante au préalable, mais elle doit, à mon avis, rester dans le cadre d'une pratique vraiment qui est limitée à la réchappe ou à la projection et à la planification, mais pas forcément à la gestion opérationnelle de la déco. Je vous remercie pour les retours au niveau du son. J'ai modifié mon gain. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux. Excuse-moi, il y avait des problèmes de micro de mon côté. Là, ensuite, on va être justement sur la planification avec un ShareWater, parce que toi, tu travailles au quotidien comme la plupart de tes collaborateurs avec ShareWater. Je suis le seul avec mon petit Garmin dans le club. Vous êtes full ShareWater. Ça m'intéresserait d'ailleurs aussi, peut-être que ça intéresserait le chat, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus pourquoi est-ce que tu as choisi cette plateforme. Et je me permets d'inviter le chat à poser des questions si vous en avez et si vous avez des retours à nous faire par rapport à ce qui a été dit. Surtout, n'hésitez pas, c'est tout l'intérêt du live, on est là pour interagir. Quelle était la question, Kevin? Donc, comment planifier? Ensuite, on va être sur comment planifier un ShareWater et pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de travailler avec un ShareWater? C'est bien ça? Oui, On est alors pourquoi là-dessus. je travaille avec un ShareWater? Parce que d'abord,
Moi, dans le cadre de ma pratique quotidienne, je plonge quasiment tous les jours en recycleur et qu'aujourd'hui, l'ordinateur qui est le plus utilisé dans le cadre du contrôle et du pilotage des recycleurs, c'est la marque Shearwater qui utilise ces ordinateurs sur la quasi-intégralité des recycleurs du marché. Donc, il y a eu une forme de routine qui s'est installée dans le temps. Et c'est assez marrant parce qu'ils ont une lecture très intuitive des besoins des plongeurs. Et à aujourd'hui, c'est que moi, ça va faire presque 10 ans que je les utilise. Et à chaque fois que, à un moment donné, dans la pratique, dans l'ergonomie de la machine, moi, il me venait l'intuition de me dire, cette fonctionnalité serait intéressante. Et bien, comme par magie, quelques mois après, dans le nouveau modèle ou dans la nouvelle version du soft, et bien, en fait, ces nouveautés et ces améliorations étaient intégrées. Et donc, aujourd'hui, on a un ordinateur qui est extrêmement intuitif, très, très fiable, autant sur la partie logicielle, parce que là, j'ai rarement rencontré de problème. Et sur la partie matérielle, c'est hyper solide et on ne rencontre pas d'avaries ou alors pour des mauvaises utilisations. Donc pour moi, c'est un matériel qui est hyper fiable et hyper efficace. Et désormais, ça fait partie de ces ordinateurs qui intègrent des modes de planification qu'on n'avait pas dans le passé, parce que tout à l'heure, tu parlais des modes de planification qui permettaient de projeter la NDL sur une plongée donnée. Oui, c'était pratique, mais c'était uniquement pratique pour de la plongée dans la courbe de sécurité. Aujourd'hui, quand on veut planifier une plongée avec palier, il faut un ordinateur qui soit capable de faire ça. Et ces premiers ordinateurs sont très récents. Et les Shearwater font partie de ces ordinateurs. Oui, c'est vrai, j'en profite aussi. Est-ce qu'on pourrait juste prendre quelques secondes? Parce qu'il y a parfois certains termes que je vois passer dans le chat. Tu as parlé de runtime, par exemple. Il y a la TTS aussi qui a été mentionnée. Il peut y avoir Alors. des personnes qui ne sont pas des plongeurs aguerris. Peut-être qu'on peut prendre quelques secondes avant de rentrer dans les Absolument. détails. Alors, le runtime, qu'est-ce que c'est? Le runtime, c'est une table de plongée. Mais c'est une table de plongée cousue main, faite sur mesure pour les besoins d'une plongée donnée, qui se caractérise par une profondeur, un temps et un gaz donné. Et les logiciels de planification sont des générateurs de tables, des générateurs de tables minutes, qui permettent, pour une plongée imaginée, de créer les paramètres. Et les paramètres d'un runtime vont toujours s'exprimer dans un petit tableau qui indique d'une part la profondeur, d'autre part le temps, et on le lit toujours en quittant la profondeur à un temps donné. Donc quand on a un runtime de 90 minutes, ça veut dire qu'à 90 minutes, on quitte la dernière profondeur de palier pour rejoindre la surface. Tu parlais de la TTS. La TTS, alors il y a plusieurs façons il y a plusieurs acronymes pour définir la même notion, c'est la DTR. La TTS en anglais, c'est le Time to Surface, qu'on va retrouver aussi dans d'autres ordinateurs comme les Suunto, par exemple, par l'ASC Time, l'Ascending Time, ou la DTR en français, qu'on va retrouver sur d'autres ordinateurs dans des versions traduites. La DTR, qu'est-ce que c'est? Ou la TTS? C'est le temps minimum qu'il faut quand on est en cours d'immersion pour regagner la surface en intégrant deux paramètres qui sont incontournables pour garantir la sécurité du plongeur, à savoir la vitesse de remontée respectée, qui pour la plupart des ordinateurs se retrouve entre 8 et 10 mètres minutes, ainsi que tous les paliers qui nous séparent de la surface. Donc quand on cumule ce temps de remontée et ce temps de palier, on a le temps minimum pour gagner la surface que l'on appelle la TTS ou la DTR. Merci pour ces clarifications et bah, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce qu'on passe à la slide suivante? Alors, non, pas tout de suite, parce que Non, justement, ça tu serait vas nous peut-être le moment. montrer. Quand on parle de planifier, et là, on va à un moment donné faire un petit travail ensemble de planification sur un ordinateur, il faut réfléchir aux conditions de la planification. Tout à l'heure, on se l'est dit, quand on planifie une plongée, et on va l'évoquer à travers un cas très simple, qui est la plongée avec un 15 litres, la plongée profonde avec un 15 litres à l'air. Quand j'utilise cet exemple, ça ne veut pas dire que c'est une façon de plonger qui me convient et que je trouve satisfaisante, mais par contre, pour évoquer la méthodologie de la planification, c'est un cas qui est simple et qui est facile à utiliser. Quand on veut réaliser une planification, il faut créer quelques conditions à cette planification et définir les postulats de base de cette planification. Parmi ces postulats, il y a un certain nombre d'éléments, à savoir la consommation en litres-minutes d'un plongeur. On a une bonbonne sur le dos qui est gonflée avec un certain volume. La consommation va évidemment dépendre de la fréquence ventilatoire du plongeur. Alors, là, il y a autant de plongeurs que de consommation, mais on a tous autour de nous vu le binôme qui était le gros consommateur ou au contraire le petit plongeur petit gabarit qui consomme rien. Et bien évidemment, avec la même pression de bouteille, le même volume de bouteille, le temps passé sous l'eau ne pourra pas être le même. Donc, il convient toujours de définir quel va être le volume de bouteille que l'on va utiliser. Ensuite, il faut déterminer à quelle profondeur on souhaite évoluer.
Et là, on va voir qu'il y a plusieurs profils possibles. Il y a le profil où on va plonger sur une épave et on va rester un long moment à une profondeur donnée, ou au contraire, un profil qu'on va plutôt qualifier de multiniveau, où on va évoluer à une profondeur max et au bout d'un moment, on va déclencher un début de remontée lente et qui va nous amener à évoluer sur des profondeurs intermédiaires. Donc ça va effectivement déterminer pas mal d'éléments de planification. Ensuite, on va se poser la question de la composition du gaz. Donc là, dans l'exemple qu'on va traiter, on va parler de l'air, du temps qu'on va passer au fond. Et à un moment donné, il faut se poser la question de quels sont les paramètres de conservatisme et de réglage qu'on va faire dans l'ordinateur. Parce que si vous avez des paramètres de désaturation qui sont très agressifs, eh bien vous allez passer moins de temps sous l'eau. Si au contraire, vous voulez beaucoup plus de sécurité, vous allez rallonger le temps sous l'eau. Il faudra prévoir le stock de gaz qui permet d'en venir à bout. Un des paramètres qu'on va évoquer, ça va être le degré de réserve que l'on veut conserver dans la bouteille. Vous avez une bouteille qui est gonflée à 230 bars, est-ce que la pression raisonnable que vous voulez avoir à l'intérieur de la bouteille à la fin de la plongée, c'est 50 bars, ou plus, ou moins? Bon, là, il peut y avoir évidemment débat. Là, pour les besoins des calculs qu'on va faire et qu'on va évoquer ensemble, on va partir sur une pression résiduelle de 50 bars pour le retour surface qui va nous permettre d'assurer une marge de sécurité. La question qui pourrait se poser, et moi j'ai une question que j'aimerais poser au chat, parce que c'est souvent un des éléments qui fait débat quand on parle de planification, c'est quelle est la proportion de gaz supplémentaire que l'on doit conserver en réserve dans une bouteille pour maintenir de la sécurité en cas d'incident? Ça peut être on se perd et on passe plus de temps sous l'eau, on fait une mauvaise remontée, on s'essouffle. Est-ce que ça doit être 50 bars? Est-ce que ça doit être une proportion? Et ça, en la matière, moi j'aimerais bien que vous me donniez votre point de vue là-dessus. Et d'ailleurs, Kevin, moi j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur, pour de la plongée profonde, quelles sont les marges de sécurité qu'il conviendrait ou qui te paraissent être pertinentes de maîtriser et de respecter. Moi, j'essaye de me tenir à une règle assez basique de tiers. Je pars du principe que j'ai 50 bars auxquels je ne touche pas. Et donc, par exemple, si je commence avec 230 bars, j'enlève 50 bars de base auxquels je ne vais pas toucher. Donc, je pars du principe qu'en fait, moi, je vais avoir 180 bars. Et dans ces 180 bars, je vais à nouveau le diviser par 3. Et je vais garder justement toujours un tiers de marge de sécurité au cours de ma plongée, qui va être pour moi du gaz de réserve pour ma fin de plongée que je ferai en faible profondeur sur du 10, 12 mètres, vu que j'aime beaucoup faire de la plongée à multiniveau. C'est un peu la méthodologie que j'essaie de mettre en place, de toujours garder un bon tiers en plus des 50 bars que je ne touche pas. C'est des logiques réflexes. Après, je ne suis pas pour l'instant dans des planifications de plongée avec des gros plafonds ou des gros éthers comme toi, donc je serais ravi d'en apprendre plus sur ces points-là. Alors, si je comprends ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que si jamais tu considères un tiers, c'est-à-dire qu'en retirant une bouteille à 230 bars, 50 bars, il te reste 170 bars, et sur ces 170 bars, tu divises par 3, ce qui te fait Ça me environ fait 50, 60, 60 bars. Ça veut 60, dire 60, 60. que tu voudrais sortir de l'eau avec. Ah non, pas excuse-moi, pas sortir. Non, moi en théorie, si j'ai bien programmé ma plongée, je vais sortir de l'eau avec mes 50 bars. C'est plus au niveau de la construction de ma plongée. Il y a des moments que je vais dédier à la plongée avec l'objectif peut-être profond en lui-même. Et ensuite, cette règle du tiers va me permettre de définir un moment pour décoller et toute une phase plus simple, entre guillemets, où je vais avoir un dernier tiers de plongée, où je vais pouvoir faire de l'explo à mi-profondeur dans la barre des 15 mètres. Tu vois plutôt Ok. ce que j'essaie de dire? Oui, je comprends. Alors là, je vais me permettre de passer à la partie un peu pratique de la planification. On va s'amuser avec un Shearwater. Peut-être que tu peux regarder avant ça les réponses qui sont sorties à la question que tu as Ben, il posée. y a beaucoup la réponse du tiers qui est sortie. Et moi, c'est une réponse qui me va bien parce que, effectivement, sur une bouteille qui est gonflée à 210 bars, l'idée de sortir à la fin d'une plongée profonde avec 70 bars, ça me paraît être une approche qui est très bien. 50 bars, ça me paraît un peu limite. Alors on verra, on le nuancera peut-être quand on va parler de nitrox. Mais ça me paraît être une approche qui me convient tout à fait, qui va dans le sens de la sécurité. Je rappelle quand même à tous ceux qui nous écoutent, mais pour beaucoup vous le savez déjà, que la bête noire de la plongée profonde, ça sera toujours l'essoufflement.
Quand on a un plongeur qui respire en mode nominal 20 litres minute et qui part sur un essoufflement carabiné, on n'est pas à l'abri d'avoir une ventilation qui va passer de 20 litres à 40 ou 60 litres minute. Alors, il serait complètement illusoire de calculer l'intégralité de la décompression à 60 litres minute, parce que si vous avez à 60 mètres de profondeur un problème qui vous amène à respirer à 60 litres minute, vous ne pourrez pas continuer à respirer à cette fréquence-là jusqu'à la fin de la plongée, il va vous arriver forcément autre chose avant. Et puis il va aussi y avoir l'effet de sursaturation, enfin on sort complètement des modèles. Oui, ça a beaucoup d'implications. Donc, qu'on tienne compte de ça, c'est évident. Mais l'hypothèse où cet essoufflement dure jusqu'à la fin de la plongée, il n'est pas réaliste et il n'est pas viable. Par contre, qu'il puisse durer pendant une très longue partie de la remontée, ça oui, sans problème. Et quand on programme une plongée en conservant un tiers de réserve, je pense qu'on crée toutes les conditions pour que ça se passe bien. Et après, on reviendra, on refera une petite vision critique de la planification après qu'on ait manipulé le Shearwater pour en parler. On va demander au chat de faire un petit calcul tout bête, mais dans l'hypothèse où on a un 15 litres gonflé à 210 bars et qu'on veut conserver un tiers de réserve, quel est le volume en litres disponible à l'intérieur de cette bouteille? 15 litres à 210 bars et on veut conserver combien? Un tiers de réserve à l'intérieur de cette bouteille. Donc si on fait le calcul, il est tout bête. Deux tiers de 210 bars, ça fait 140 bars, qu'on multiplie par le litrage 15 litres, donc 140 multiplié par 15. Alors moi je suis très mauvais en calcul mental, ça nous fait, merci Mathis, 2100 litres. 2100 litres pour faire notre plongée. 2100 litres, une fois qu'on sait ça, on sait que c'est la quantité maximum de gaz que l'on s'autorise à consommer pendant la plongée. Alors maintenant, je vous propose, et Kevin, si tu veux bien switcher de caméra, on va découvrir ensemble le Shearwater et voir de quelle façon on peut utiliser cet outil pour faire une planification de plongée. Alors, vous allez voir ma tête en gros, mais voici le Shearwater. Et tu allumes la bête. Est-ce que tout le monde voit bien le joli Shearwater de Nicolas? Alors, donc là, vous avez devant vous mon fidèle Perdix, qui ne me quitte jamais, que j'ai pris la peine de paramétrer en circuit ouvert, avec de l'air comme gaz principal. Et avant de faire de la planification, je voudrais bien m'assurer avec vous qu'on ait fait les réglages essentiels de paramétrage de la machine pour qu'on ait des calculs qui soient pertinents. Quand on s'aventure dans la partie config système d'un Shearwater, là, mon ordinateur, il est réglé en mode OC Tech, donc la partie Tech, circuit ouvert qui permet d'intégrer plusieurs gaz. J'ai intégré des paramètres de conservatisme 80-80 qui, pour de la plongée à l'air, sont aujourd'hui les paramètres les plus courants qui sont utilisés. J'ai paramétré le dernier palier à 6 mètres et je ne saurais trop vous conseiller aux uns et aux autres, si vous ne l'avez pas fait, que votre ordinateur le permet, de systématiquement régler votre dernier palier à 6 mètres. Il va vous offrir beaucoup plus de confort en mer, car il vous permet de ne pas être trop soumis au mouvement de la houle et de faciliter votre stabilisation lors de la fin de plongée. On a paramétré également un paramètre et une information qui est très très intéressante quand on plonge, et notamment pour piloter la planification, c'est l'affichage du delta plus 5. Alors là, le delta plus 5, qu'est-ce que c'est? C'est la variation de DTS, de TTS ou de DTR qui va apparaître dans 5 minutes si on ne change rien aux paramètres. Une valeur positive de delta plus 5 indique que si on ne change rien à notre situation, notre DTR va augmenter de la valeur qui est indiquée. Si la valeur s'affiche avec une valeur négative, c'est la DTR qui va diminuer lorsqu'on est en phase de desat. Quand en phase de remontée, vous avez un delta plus 5 de 0, ça veut dire que vous êtes à une profondeur d'équilibre à laquelle ni vous saturez, ni vous désaturez selon le modèle mathématique. Ensuite, là, j'ai paramétré mes gaz. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs gaz et je vais utiliser un cas très très simple, à savoir que je vais activer uniquement le gaz R comme gaz de respiration unique. C'est le 1, c'est ça, 1 OC, open circuit, non? Exactement. Donc là, c'est le gaz qu'on va utiliser, c'est le seul qui est en mode on et donc qu'on peut utiliser. Donc là, après, le reste des paramètres, on n'en a pas forcément besoin et on va revenir sur l'écran principal de notre ordinateur. Donc là, quand on est sur l'écran principal
de l'ordinateur, on a les paramètres de gaz qui sont utilisés, donc le 21. On va rentrer dans le mode planification de l'ordinateur que vous allez retrouver dans le menu config plongée. Dans le menu config plongée, vous avez le deuxième menu qui est le menu planif déco. Quand vous êtes dans le menu planif déco, vous rentrez dans cette interface et là, vous avez la possibilité de rentrer des paramètres. Et là, c'est les paramètres, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est que si vous voulez vous faire le délire de planifier une plongée à 105 mètres de profondeur avec du Nitroc 50, vous pouvez tout faire. Bon. Mais là, nous, on va rester bien sûr sur quelque chose de raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'on a planifié ? C'est pas une très bonne idée. Non, je sais bien, mais c'est juste pour se détendre. Là, qu'est-ce que je vous ai proposé ? Je vous ai proposé une plongée à la profondeur de 40 mètres. Bon, là, on va la modifier. On ne va pas faire non plus ça, mais on va aller sur... Je vais y arriver. Sur la profondeur de 50 mètres. Mmh. Et pour le moment, là, j'ai sans la moindre forme de raisonnement, je viens de j'ai un temps de plongée, donc sous-entendu un temps fond, vraiment un séjour fond de 25 minutes, qui a vu donner, par expérience, c'est déjà une plongée un peu violente et qui, avec un 15 litres, a peu de chances de fonctionner. Mais c'est pas grave, on va le faire. Et j'ai paramétré une fréquence ventilatoire, un SAC, qu'on va appeler aussi SAC, une consommation en litres minute reportée surface de 20 litres par minute. Là, j'ai rempli mes paramètres. Une fois que j'ai rempli mes paramètres, je peux les valider. Et je vais passer à la fenêtre suivante, où là, j'ai un récap des paramètres de plongée, à savoir le temps, la profondeur, la consommation en litres minute et les paramètres de conservatisme et de palier qu'on a paramétrés au préalable dans l'ordinateur. Une fois qu'on a ça en bas à droite, on a le bouton planifier qui nous permet de rentrer dans le mode planification. Et là, la machine, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle génère un runtime. Le runtime, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une table minute qui, paramètre, par rapport à ses paramètres de décompression, va vous donner des informations de désaturation. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On lit que sur la première ligne, à 25 minutes, et c'est la consigne qu'on a donnée au calcul, à 25 minutes, on doit quitter 50 mètres. À 29 minutes, on doit être à 12, à 33 minutes, on doit quitter 12, à 40 minutes, on doit quitter 9, à 107 minutes, on doit quitter 6. Alors déjà, 107 minutes pour un 15 litres, on est évidemment loin du compte. Et pour rappel, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on disposait pour cette plongée d'un maximum de 2100 litres disponibles. Et là, si je passe sur la fenêtre suivante, je me rends compte que pour faire cette plongée, il me faut 5708 litres. Donc ça ne passe pas du tout. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour faire cette plongée ? Ben, c'est soit je change de bouteille et je vais avoir une bouteille beaucoup plus grosse, mais là, pour atteindre ce litrage, il va m'en falloir vraiment beaucoup. Mais on va plutôt partir du principe de réduire le temps fond, qui était de toute façon pas réaliste, pour avoir un temps fond qui soit admissible avec ma bouteille et qui me permet d'arriver au bout. Comment je vais faire ? Je vais sortir de ma planification, je re-rentre dans mon mode planification, et là, tout simplement, je vais modifier mon temps de plongée et je vais réduire ce temps de plongée. Alors là, vraiment, à vue de nez, je vais partir sur un temps de 15 minutes et on va bien voir ce que ça donne. Donc là, je modifie mon temps de plongée, je conserve toujours les paramètres de consommation, ça, je n'ai pas de raison de le changer. Alors, si besoin, tout à l'heure, on parlera, et si vous voulez qu'on en parle, on verra comment faire un calcul de consommation très facilement. Donc là, je valide mes paramètres et là, j'ai de nouveau un nouveau runtime. Et là, je vois cette fois-ci que je quitte la dernière profondeur de palier à 44. Alors 44 minutes, ça commence déjà à ressembler un petit peu plus aux paramètres de plongée qu'on fait avec un 15 litres. Et si je passe à la ligne suivante, je vois que je suis à 2741 litres. Donc on est encore loin du compte. Il nous manque, on a encore trop de temps de plongée. Et là, on n'arrive pas au bout de nos 2100 litres pour respecter notre tiers de réserve, à savoir nos 70 bars de réserve dans la bouteille. Mais on se rapproche. On se rapproche. Alors, je le redis, hein, là, les paramètres qu'on est en train d'utiliser et les critères que l'on est en train de fixer, ce n'est absolument pas une vérité absolue. C'est des conditions qu'on utilise pour pouvoir faire l'exercice de la démonstration. Donc après, on pourrait choisir une consommation qui est plus proche d'un plongeur compétent et expérimenté qui consommerait du 15 litres par minute et qui accepterait une réserve de 50 bars. Donc là, ce n'est pas le cas, c'est juste pour les besoins de la démonstration qu'on fait ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je n'ai pas le choix, je vais devoir de nouveau réduire mon temps fond et là, je vais passer de 15 à 10. On va bien... Alors, je me suis fait avoir. Je suis pas... Je vais devoir refaire un tour.
un tour de danse pour refaire mes paramètres. Donc là, je vais mettre mes paramètres de temps de plongée à 10 minutes. Je conserve ma consommation en litres minutes à 20 litres minutes et je fais de nouveau mon calcul. Et là, j'ai de nouveau un runtime. Alors là, ça finit en 23 minutes, c'est quand même très très court. Et là, je vois que j'ai des paramètres de consommation de 1636 litres. Donc par contre, j'ai du mou dans la corde. Donc pour me permettre de faire plus, alors eh bien, on va rajouter quelques minutes à notre temps pour voir si ça va mieux. On va passer peut-être, je ne sais pas moi, à chaque fois je me fais avoir. On va passer à Je veux quand 13 même juste minutes. de. Oui, Rec, Alors, tout le monde lutte un peu avec les deux boutons. Ouais, merci, Rick. C'est vrai que c'est jamais simple et je vous remercie. C'est vrai que c'est un moment où je suis en train de vivre un peu seul, donc c'est pas très participatif. Je m'en excuse par avance. Bah, en tout cas, c'est paradoxalement très intéressant parce que tout le monde est en train de regarder et là on parle plus dans le chat, on regarde juste. Et je me Voilà. permets de répondre à Fireball. Oui, il le replay sera dispo sur la chaîne de Plongée Tech Marseille. Donc là, pour un temps de 13 minutes, j'arrive à 2242 litres. Donc là, je suis un poil trop long. Donc je vais passer à 12 minutes et vraisemblablement, on ne devrait pas être très très loin de la vérité. Donc là, je vais passer à un temps de plongée de 12 minutes. 12 minutes de temps fond à 20 litres minutes. Et on va valider ces paramètres pour voir si j'arrive à respecter mes 2100 litres. Et par magie, voilà, là je suis juste un peu en dessous de 2100 litres. Et donc, j'en arrive à la conclusion que si je veux, avec un 15 litres, faire une plongée profonde en conservant une réserve d'un tiers à l'issue de ma plongée, en ayant respecté tous mes paramètres de remontée et mes palais de décompression, je ne dois pas dépasser 12 minutes de temps fond. Alors, ça c'est bien, on a déjà quelques informations qui nous intéressent et je serais curieux de savoir si de votre côté, pour ceux qui pratiquent régulièrement la plongée profonde, vous avez encore au sein des structures dans lesquelles vous plongez des paramètres qui vous sont donnés en vous indiquant des temps fonds à respecter. Moi, de mon point de vue, la notion de temps fond, pour le besoin de la planification, là comme on est en train de le faire, c'est un paramètre qui est indispensable. En revanche, pour le pilotage de la plongée sous l'eau, c'est un paramètre qui n'a pas de sens. Et on va devoir le nuancer. Et si je passe sur mon ordinateur, abordons un cas tout bête. Si vous allez dans une structure où on vous demande de respecter un temps fond de 12 minutes, imaginez le cas où lors de votre phase de descente à 10 mètres de profondeur, vous avez votre oreille qui coince pendant 8 minutes. Donc vous avez déjà perdu, il ne vous reste plus que 4 minutes sur le temps fond initialement prévu. Comment est-ce que vous allez faire? Si ce temps était prévu, c'est un paramètre de pilotage qui est plus valable et qui est plus utilisable. Donc, ce qui est vraiment intéressant, et c'est en ça que l'ordinateur il est puissant et qui nous permet d'avoir des vrais critères de pilotage, quand on a déterminé que pour un temps donné, 12 minutes, on respectait le litrage minimum qui était vital pour finir la plongée, une fois qu'on connaît ces paramètres, on va obtenir une information qui est cruciale. C'est que dans la foulée, le Sharewater va vous indiquer le résumé de la plongée. Dans ce résumé de plongée, qu'est-ce qu'il y a? Le temps total de plongée, donc là en l'occurrence c'est 30 minutes, mais surtout la donnée suivante qui est intitulée décompte, donc décompression, une valeur de 18 minutes. 18 minutes, alors c'est une erreur de traduction de la part de Sharewater, et si jamais parmi vous il y en a un qui faisait partie de cette maison, je serais vraiment très reconnaissant qu'il puisse faire cette modification dans la traduction. Là, quand il est marqué décompression, ça n'est pas la décompression, c'est la DTR, c'est la TTS. Et donc, c'est une erreur de traduction qu'il faudrait, à mon avis, corriger. Parce que ça nous indique quoi? Ça nous indique que quand on veut respecter avec un 15 litres une réserve d'un tiers, à la profondeur de 50 mètres, la DTR à ne pas dépasser, avec les paramètres qu'on s'est fixés, c'est 18 minutes. Et c'est très intéressant parce que finalement, si je m'aventurais sur une plongée sur épave et que pendant 10 minutes, je me retrouvais à 5 mètres de profondeur avec l'oreille coincée, je pourrais pas, pendant cette phase-là de début de plongée, je n'aurais absolument aucun impact sur ma saturation. Et je pourrais, en partant quand même faire ma plongée, une fois que mon oreille se serait remise, arriver au fond
et apprécier uniquement le seul paramètre qui va être déterminant pour le bon déroulement de la fin de la plongée, c'est la DTR. Donc, parce que moi, si j'ai, je voudrais vous faire passer un message, c'est que vous devez toujours avoir à l'esprit que pour un volume de bouteille donnée et pour une consommation donnée liée aux caractéristiques d'un individu, correspond toujours une DTR max à ne pas dépasser. Et que cette DTR, elle est vraiment propre à l'individu et au volume de gaz embarqué. Et après, bien sûr, si on complexifiait les paramètres, ça permettrait également de tenir compte des différentes compositions de gaz et des différents mélanges si on en avait plusieurs. Est-ce que je me fais à peu près comprendre, monsieur Kevin? Je trouve ça très intéressant pour moi et pour le chat. C'est vrai que c'est avec vous-même que j'ai appris le concept de DTR. Chose que je ne. DTR ou TTS d'ailleurs, hein, j'ai vu passer dans le chat, c'est la même chose. Sauf que DTR, c'est durée totale de la remontée. Et TTS, c'est time to surface. Donc ça dépend des ordinateurs. Mais c'est peut-être au chat qu'il faut demander, est-ce que vous comprenez l'idée, sachant que beaucoup de personnes sont de ton avis, notamment Plongée Carnot-Montpellier, Un gros bisou à Fred qui nous écoute, c'est fait plaisir de lire les amis. qui dit justement que les temps au fond n'ont pas de sens. Et pour ma part, alors ça je m'en suis déjà rendu compte dès que j'ai commencé à plonger avec vous, mais c'est vrai que dans le récréatif, dans mon expérience du récréatif, vu qu'on n'a pas ce concept de DTR ou TTS, on parle de temps fond ou de temps sur la limite de non-décompression. On calcule notre temps pour éviter justement cette limite de non-décompression. Et c'est toute une gymnastique différente. Et là vient tout l'intérêt justement d'être capable de comprendre sa consommation pour calculer son gaz qui sera en lien avec notre durée totale de remontée. Enfin, moi Absolument. en tout cas, je l'ai découvert avec vous. Enfin, je l'ai appris en profondeur et je suis en train de l'apprendre avec vous. Alors, Kevin, j'en profite pour faire quelques commentaires sur tout ce qu'on vient de se dire, parce que la démarche qu'on vient de faire, c'est une démarche qui est mathématique conceptuelle. Cette démarche, elle ne fonctionne que si le plongeur respecte les paramètres qui sont mis dans l'ordinateur. Le plongeur qui va pas respirer à la même fréquence ventilatoire, ou qui ne va pas respecter une vitesse de remontée à 10 mètres minute, ou qui va faire une remontée lente, ce calcul devient caduc. C'est une démarche intellectuelle qui, par la force des choses, responsabilise le plongeur et qui l'amène à bien comprendre que sans ce niveau de maîtrise technique qui fait que la vitesse est respectée, que la fréquence ventilatoire est respectée, tout ça ne fonctionnerait plus si à un moment donné vous passez à côté de ces éléments. Ça me permet aussi de rebondir à la question de Reda Bensiam. Je sais pas si tu as vu. Et la remontée prend combien de temps? Ben justement. Alors, la vitesse, là, tout est paramétré sur des remontées entre 8 et 10 mètres minutes. Sur un shearwater, c'est 9 mètres minutes. Et donc, le temps qu'il faut pour de 50 mètres rejoindre la profondeur des 6 mètres, eh ben, c'est à peu près 4 minutes, quoi. Ça te donne donc justement une idée. En fait, théoriquement, pour n'importe quelle plongée, d'ailleurs, on a une forme de DTR parce qu'on a un temps de base pour remonter à la surface et à ça va s'ajouter. Oui, alors j'en profite pour évoquer deux points qui me paraissent être importants d'avoir à l'esprit. La démarche qu'on vient de faire, la démarche de calcul qu'on vient de faire, on vient de se dire qu'elle ne fonctionnait, qu'elle n'était valable, elle dépendait de deux paramètres qui étaient respectivement le volume de gaz disponible et la fréquence de ventilation du plongeur. Ce qui veut dire que si un plongeur plonge systématiquement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire la même bouteille, et qu'il n'a pas de raison d'avoir une vraie variation de sa ventilation, cette démarche de calcul qu'on vient de faire, on n'a plus besoin de la faire avant chaque plongée. Parce que la démarche de se dire je reprogramme, je replanifie ma plongée avant d'y aller, n'a pas vraiment de sens. Parce que la DTR max, on vient de l'obtenir par l'intermédiaire d'un calcul, quelle que soit la profondeur à laquelle on va aller, en réalité, ces paramètres de DTR ne vont pas changer. Parce que la question se pose souvent de comment est-ce que je vais nuancer ma durée de DTR quand je vais aller plus profond ou moins profond. En réalité, il aurait été plus pertinent que je fasse ce calcul à la profondeur de 60 mètres, parce qu'à l'air, c'est la profondeur max à laquelle je pourrais pratiquer. Mais là, dans l'hypothèse où je ne plonge pas finalement, je fais une planification à la profondeur de 50 mètres, mais pour finir, je vais faire cette plongée à la profondeur de 40, comment est-ce que je vais devoir reconsidérer ma planification? Mais en réalité, je n'ai pas besoin de la reconsidérer. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme différence de DTR entre une plongée à 40 et une plongée à 50 mètres? Il y a une minute de DTR qui est liée à 10 mètres de remontée à 10 mètres minute. Donc je n'ai absolument pas besoin de reconsidérer ma planification. Et donc ma planification
pour 50 est totalement valable pour ma profondeur de 40 mètres, mais en l'appliquant à la profondeur de 40 mètres, je vais simplement disposer de plus de mou dans la corde et je vais pouvoir faire un temps fond qui est plus long, mais les paramètres de décollage, qui sont la DTR, seront les mêmes dans les deux cas. Par ailleurs, c'est une petite astuce, et j'en profite pour donner ce conseil aux uns et aux autres, mais souvent, une des façons de veiller à ce qu'on fasse une remontée de qualité, souvent, c'est une remontée qui se fait à une vitesse maîtrisée. Une vitesse maîtrisée, ça veut dire une vitesse qui est suffisamment rapide pour ne pas saturer, et pas trop lente pour ne pas continuer à saturer. Un critère qui ne trompe pas sur votre DTR, quand vous quittez le fond sur une plongée profonde, la DTR ne doit jamais, jamais augmenter. Une DTR qui augmente signifie que vous êtes en train de continuer à saturer. Si elle ne fait que diminuer ou à minima rester constante pendant la remontée jusqu'à l'arrivée au premier palier, auquel cas vous êtes dans une situation de maîtrise de la vitesse de remontée. Très bien. J'ai pas de question particulière, vu qu'on a un petit décalage. Peut-être que si le chat a des questions, il y a un moment, alors je ne sais pas si c'est un troll ou pas, comme la dernière fois, mais il y a eu une remarque sur pas de PTSV ni de GTK. Je ne sais pas ce que c'est, Yann Rousseau. Je t'invite à être plus éventuellement précis. Et on a Reda donc, qui nous parle des MN90 en 15 mètres minutes et Bullman en 10 mètres minutes. Vous êtes sur du 10 mètres minutes parce qu'on fait quand même aussi de la plongée en multiniveau, ce qui n'est pas forcément logique des MN90 ou ça n'a rien à voir? Les MN90 étaient calculés selon des procédures de saturation qui étaient très différentes. Donc aujourd'hui, quasiment de manière unanime, tous les algorithmes, les ordinateurs intègrent des vitesses de remontée à 10 mètres minutes qui sont quand même plus simples à maîtriser parce que 15 mètres minutes, des fois, ça va vite. C'est comme quand on va vite en voiture, des fois freiner, c'est pas simple. Donc là, à 10 mètres minutes, c'est tout bête, mais le contrôle des vitesses est quand même plus simple. Et désormais, c'est devenu le grand standard partout. Je me permets aussi de rebondir à ce qu'a dit Cam, idée, et c'est toujours bon de le rappeler parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Quand on parle de 10 à 15 minutes de DTR, on est déjà sur des plongées bien engagées. Alors, ce n'est pas toi ce que tu es capable de faire, mais moi, pour ma propre expérience, avec vous, je ne suis même pas sûr d'avoir fait du 15 minutes de DTR ou peut-être une fois... Pour l'entraînement avec justement un bloc de déco, on verra sûrement plus tard, mais ça reste quand même des plongées à prendre très au sérieux. Absolument. Alors, je vais rebondir rapidement parce qu'il y a une question que j'adore et je suis content. Merci Rayquan de me la poser parce qu'elle est évidemment essentielle. Mais avant ça, je voudrais quand même aborder un autre sujet qui est important. C'est que là, dans les critères de planification qu'on vient d'évoquer, on a exclusivement évoquer la question de la désaturation et de la gestion de la DTR. C'est un paramètre qui est évidemment essentiel, mais ce n'est pas le seul. Parce qu'on pourrait parfaitement avoir un ordinateur, on pourrait avoir un ordinateur réglé au poignet avec des paramètres donnés et les respecter, c'est-à-dire d'attendre d'arriver à, là, comme on l'a vu, 15 minutes de DTR avant de quitter le fond. Mais si parallèlement à ça, il y a eu un incident sur le fond et que vous consommez une grosse quantité de votre gaz, en fait, toute votre planification va se casser la gueule parce que vous aurez beau avoir respecté vos paramètres de décollage, de décompression, vous n'aurez pas le gaz qui vous permettra d'arriver au bout. On est obligé de respecter quelques règles simples pour déterminer les critères de décollage. En plus de la DTR, il y a quelques recettes magiques qui fonctionnent à tous les coups. Globalement, quand on est sur des profils carrés, et c'est pour ça que Rayquan, après je vais rebondir sur ta question, quand on a une bouteille qui est gonflée à 200 ou 210 bars, dans la mesure où on respecte toujours un décollage au plus tard à la mi-pression, ça finit toujours bien. Et ça, c'est des centaines de plongées qui en attestent, pour ne pas dire des milliers, dans cet espace de profondeur. Tant qu'on respecte sur un profil carré, j'entends plutôt le profil type plongée sur épave ou alors vraiment exploration sur la partie profonde d'un tombant avec remontée immédiate, tant que vous respectez la règle de la mi-pression sur un bloc, et que vous respectez votre paramètre de DTR qu'on vient de déterminer, la plongée se passe systématiquement comme il faut. Et donc, quand on va atteindre un de ces deux critères, à savoir la mi-pression ou la DTR max, le signe de rigueur, c'est celui-ci. C'est dire... Attends, non. Maintenant, on remonte. C'est pas ça le signe de rigueur, on n'a pas vu ta main entièrement... Ah, pouce levé. C'est ça. D'accord, parce que j'ai cru que tu avais fait ça, mais avec la main coupée. Non. D'accord. C'est vraiment celui-là, c'est okay. On remonte. Et ce signe, on remonte, c'est le moment où vraiment il n'y a plus de discussion. C'est-à-dire que là, j'ai atteint un critère qui fait que si je reste, je risque de plus avoir le gaz pour finir,
Ou alors je vais grappiller sur ma réserve, et ça je veux pas parce que cette réserve elle peut me servir à moi, elle peut servir à mon binôme, et philosophiquement j'ai déterminé qu'il fallait pas que j'y touche. Et maintenant j'en viens à la question de Rekwan, qui est une question importante, c'est comment je vais nuancer tout ce raisonnement dans l'hypothèse où je vais faire une plongée multiniveau. Définissons d'abord bien de quoi il s'agit quand on parle d'une plongée multiniveau. Jusqu'à présent, on vient de traiter la problématique de la planification à travers la plongée carrée. Plongée carrée, c'est-à-dire je quitte le fond, je quitte la surface, je descends à une profondeur donnée et je passe un temps à cette profondeur. Et quand j'atteins mes critères, pap, je remonte. Et pendant ma remontée, je ne fais que remonter. Et pendant toute ma remontée, mon seul objectif, c'est d'atteindre la profondeur de palier. Et rien d'autre. Le profil multiniveau, c'est autre chose. Le profil multiniveau, c'est une remontée qui, par définition, est lente parce qu'on va chercher à atteindre une profondeur intermédiaire entre la surface et évidemment la profondeur de palier et la profondeur max. Et donc, on va évoluer à une profondeur où il va continuer à y avoir une saturation, qui d'ailleurs s'exprimerait sur un charwater par un delta plus 5 avec une valeur positive. C'est-à-dire que dans 5 minutes, ma DTR va augmenter de tant de minutes. Et dans ce cas-là, on va utiliser une autre règle pour nuancer nos paramètres de décollage. Si vous êtes sur un site de plongée qui implique un retour par le fond à une profondeur intermédiaire pour revenir à votre point de départ, vous allez devoir faire une remontée lente. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas quitter le fond, la profondeur max, soit aux 15 minutes de DTR, comme on l'a vu tout à l'heure, soit à la mi-pression, sinon vous allez finir avec rien dans la bouteille. Et dans ce cas-là, la règle, et là on est vraiment dans l'empirisme, hein, c'est la sagesse des anciens. La règle toute bête qui fonctionne à tous les coups, c'est de quitter non plus le fond à la mi-pression, mais au premier tiers consommé, et de nuancer la valeur de la DTR en utilisant non pas la valeur de DTR qu'on a calculée, mais les deux tiers de cette DTR max. Donc, en résumé, avec la bouteille qu'on a déterminée tout à l'heure, un 15 litres gonflé à 210 bars, où on veut conserver un tiers de réserve, si je fais un profil carré, je vais quitter le fond soit à la mi-pression, soit à 15 de DTR, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'ordinateur, soit, si je suis sur un profil multiniveau, je vais quitter le fond au premier tiers consommé. Donc, à 140 bars, je suis déjà sur le chemin du demi-tour. Ça ne veut pas dire que je suis en train de monter, ça veut dire que je fais demi-tour et que je commence à remonter lentement. Ou les deux tiers de la DTR max, soit 10 minutes. Et je me réserve le droit, pendant toute la phase de remontée lente, que ma DTR puisse passer de 10 jusqu'à 15, mais sans jamais dépasser 15, parce que là, on atteint les paramètres max. Et auquel cas, si vraiment on n'arrivait pas à faire notre remontée, ça signerait la fin de la plongée et la remontée verticale au parachute. Et c'est comme ça, Rekwan, qu'on va nuancer notre raisonnement quand on parle de profil multiniveau. Donc, je le répète, le premier tiers consommé dans le bloc ou les deux tiers de la DTR max qui a été calculé sur la consommation et le volume de gaz embarqué. Très clair. On laisse quelques secondes éventuellement s'il y a des questions, vu qu'il y a un petit délai. Est-ce que tu vois, toi, d'autres questions après celle de Rec qui permettrait de rebondir? Julien a confirmé la règle des tiers. C'est pendant éventuellement que vous réfléchissez à d'autres questions, je me permets de vous rappeler que les lives précédents sont disponibles en replay sur Plongée Tech Marseille. Mathis, si tu veux bien partager le lien de la chaîne YouTube, et ce live-là, le replay sera aussi accessible et visible sur la chaîne YouTube de Plongée Tech Marseille. L'ancien live parlait de pourquoi faire de la plongée technique et le premier parlait des recycleurs. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez jusque-là aussi pour encourager Nicolas. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. Et je t'en prie, si tu veux passer à la suite, ou sauf si tu oui, as des questions. Alors on peut passer éventuellement sur la sagesse des anciens. Parce que ça, il en va de l'expérience qu'on a accumulée avec les années. Et quand on parle de la sagesse des anciens, alors certains se reconnaîtront, le nerf de la guerre sur la plongée profonde en circuit ouvert, c'est le manomètre. C'est la pression de gaz disponible. Sans gaz, il n'y a plus de plongée possible. Donc, il y a aussi des méthodes de calcul assez empiriques, mais assez efficaces, qui permettent de déterminer les besoins en gaz pour une plongée donnée.
Et avec les années, on est arrivé à une conclusion assez simple, que c'est qu'on pouvait calculer assez finement nos besoins en gaz pour une DTR donnée. Cette DTR, cette méthode de calcul, elle est quand même conditionnée par deux éléments qui sont la consommation et le litrage des bouteilles. Pour l'utilisation la plus courante, qui est le 15 litres, on s'est rendu compte que les besoins en gaz pour une plongée donnée étaient à peu près toujours équivalents à 3 fois la valeur de la DTR. Donc si j'ai sur le fond une DTR de 20 minutes, si je multiplie cette valeur de 20 par 3, ça me donne 60. 60 quoi? 60 bars. C'est la pression minimum qu'il me faut dans ma bouteille pour remonter et venir à bout de ma décompression. Cette valeur de rapport de 3 n'est valable que pour un 15 litres. Pour un 15 litres, et c'est 4 pour un 12 litres, c'est bien ça? Ça serait 2 pour un 4 pour un 12 litres et 2 pour un B12. Voilà. Donc là, vous avez des ordres de grandeur qui sont très opérationnels, mais à quelque chose près, avec un B12, prenez votre DTR, vous multipliez par 2, c'est votre besoin en gaz. Vous êtes sur un 15 litres, vous multipliez votre DTR par 3, ça vous donne votre besoin en gaz. Avec un 12 litres, vous multipliez par 4, ça vous donne votre besoin en gaz. C'est super intéressant, on peut faire des... Tout simplement, donc j'ai 10 de DTR, je vais multiplier par 3, c'est ce que je dois compter au minimum, c'est quelque chose qu'on peut appliquer très rapidement sur le terrain, ça. Et puis ça permet surtout de corroborer ce qu'on s'est dit juste avant, à savoir la règle des demi ou la règle des tiers. Mais quand vous êtes sur une plongée et vous quittez le fond à votre mi-pression et que vous quittez à quelque chose comme 110 bars, 110 bars, si vous soustrayez à ces 110 bars, ces 60 bars qu'on vient de déterminer avec 20 minutes de DTR, à quelque chose près, ça nous amène à la fin du dernier palier avec 50 bars de réserve. Donc ça permet de retomber sur ses pattes et d'avoir éventuellement une deuxième façon de calculer pendant la plongée le besoin pour une plongée. Et ce n'est pas toujours simple quand on est sous l'eau et qu'on est obligé, avec la narcose notamment, de se concentrer, de déterminer comment va se passer la fin de plongée et de quoi on a besoin. En le faisant de cette façon-là, eh ben on peut toujours se rassurer et estimer les besoins en gaz dont on va avoir besoin pour finir la plongée. Je me permets de rebondir. Alors, Johan, pour le code promo sur le Shearwater, non. Par contre, on vous invite, vous pouvez retrouver ces produits-là sur la boutique de Plongée Tech Marseille. Éventuellement, vous pouvez contacter Nicolas pour la formation. Ah, Nitrox confirmé. Effectivement, toutes les notions qu'on vient d'aborder, là, on est en train de les aborder. On va évidemment pas vous livrer tous nos secrets tout ce soir. Hein. C'est pas, Pas tout de suite. on vous donne envie, mais l'idée, c'est aussi qu'on ait l'occasion et l'opportunité de partager des moments avec vous. Et ces moments et ces techniques-là qu'on est en train d'évoquer, c'est des techniques qu'on aborde évidemment, nous, dans tous nos cursus niveau 3, dans tous nos cursus Nitrox confirmés, et on va au-delà dans les cursus tech, à savoir l'extended range, où là on va rajouter une grande quantité de gaz, une grande diversité de gaz qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs différents en fonction des objectifs d'exploration. Kevin, je te Oui. propose de passer au sujet suivant, et j'en profite parce qu'il est là pour remercier Cam pour cette très belle photo qui avait été faite il y a déjà un paquet d'années et qui n'a pas pris une ride. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. La trouve très belle et il a ce coup d'œil et ce coup de gâchette qu'il est le seul à avoir. Alors là, on vient de parler planification dans le scénario très très simple et pas forcément d'ailleurs, à mon sens, très efficace de la plongée avec un 15 litres. La question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va nuancer notre raisonnement quand on utilise pas seulement un 15 litres, mais qu'on va être dans une configuration de type Nitrox confirmé avec un gaz de déco et qui va rajouter un volume de gaz supplémentaire de surcroît suroxygéné. Il serait très tentant de se dire que on pourrait considérer ce volume de gaz comme un volume de gaz disponible, infaillible, qui dispose de toutes les vertus qu'on lui sait en termes de rapidité de désaturation. Mais imaginez le scénario suivant. Tout à l'heure, on s'est dit qu'on disposait de 2100 litres. Là, on pourrait faire le même raisonnement en rajoutant ce volume de gaz à notre calcul, et donc là, qu'on calculerait avec un ordinateur et surtout pas à la main. En disposant d'un gaz, on imagine par exemple sur une plongée sur épave avec un Nitrox 80 qui nous permettrait d'accélérer la desat en fin de plongée.
Et on pourrait déterminer que peut-être la DTR, la nouvelle DTR max qu'on pourrait atteindre serait une DTR de 23 minutes. Se pose, quand on parle de nitrox confirmé, dans ces cas-là, une notion de paramétrage qui est essentielle, c'est que la plupart des ordinateurs de plongée offrent la possibilité et la souplesse de pouvoir régler les gaz de déco, les gaz nitrox, les gaz complémentaires, en mode on ou en mode off. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on faisait le paramétrage du Shearwater. Si vous avez un 15 litres d'air et un bloc de déco de nitrox 80 qui sont tous les deux on, pendant la plongée, les paramètres de désaturation, la DTR qui va vous être affichée, sera une DTR qui tient compte du fait que à 100%, à la fin de la plongée, on va respirer du 80%. Et donc, ça va nous amener beaucoup plus loin dans l'engagement. Et on va pouvoir faire des temps fonds qui vont être supérieurs à celui qu'on aurait fait sans disposer de ce gaz. Mais imaginez-vous si, au moment de passer sur ce gaz, vous constatiez une avarie sur la bouteille qui fait que vous ne pouvez pas respirer dessus. Le fait que vous disposiez de cette bouteille qui vous permettait d'aller plus loin vous a donné des ailes. Vous vous êtes aventuré sur une DTR qui était en mode on, pas beaucoup plus élevée que si vous étiez sans cette bouteille. Mais au moment où vous voulez la valider et respirer dessus, vous ne pouvez pas. Et bien là, l'ordinateur ne va pas comprendre pourquoi vous ne validez pas la présence de ce gaz. Et d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Bien, votre DTR, qui était à une valeur raisonnable, bon, je sais pas, ça pourrait être 25, mais elle va se mettre à exploser. Et elle va passer à 40. À 40, alors que dans votre bloc, il ne reste plus que 50 bars. Et en pratique, vous ne pouvez pas arriver au bout de votre plongée dans ces conditions-là parce que vous vous êtes engagé avec une bouteille qui rencontre un problème et qui ne vous permet pas de finir la plongée. Donc, ceci pour dire que quand on plonge dans une configuration de type nitrox confirmé, il nous faut toujours considérer le gaz de déco comme du plus, comme du bonus, comme la cerise sur le gâteau qui vous permet d'accélérer votre dessat en fin de plongée ou d'augmenter votre sécurité, mais la considérer de manière systématique comme un gaz infaillible dans votre planification fait prendre un risque qui peut être un risque vraiment fatal à la fin. Le seul cas où on peut se permettre de le considérer comme un gaz infaillible, c'est dans l'hypothèse où dans la palanquée, on a une redondance de ce gaz, une bouteille supplémentaire ou une bouteille supplémentaire qui est présente au pendeur à un endroit où on est sûr de passer, et auquel cas on pourrait se permettre effectivement de l'intégrer dans le calcul et de faire une plongée avec des paramètres plus ambitieux, mais ce, toujours en sécurité. Merci Nicolas. D'ailleurs, c'est pas forcément toujours marqué actif-inactif sur le Garmin. Si j'ai bien compris, c'est je passe mon gaz en mode secours, c'est ce que j'écris dessus. Donc c'est un gaz qui n'est pas comptabilisé et donc je fais mon changement à la fin. Effectivement, alors selon les marques, la dénomination du statut du gaz peut changer. Sur un Shearwater, c'est on ou off. Et ce n'est pas parce que le gaz est off que vous ne pouvez pas le passer pendant la déco. Sur d'autres marques comme alors les Garmin, moi je ne les connais pas, mais en revanche les Suunto, le gaz peut être en primaire ou en secondaire ou en off. Et là, quand il est sur ce statut primaire ou secondaire, il est considéré comme actif ou inactif. Donc, c'est toujours bon de bien connaître son ordinateur et son matériel. Est-ce que sur ce point-là, vous avez des questions? Est-ce que c'est quelque chose dans le chat que vous avez déjà rencontré finalement? Ou que vous en ayez, est-ce que vous en aviez conscience? Il n'y a que chez toi que j'ai entendu parler de ça pour l'instant. La Ou me notion de demander. gaz actif et de gaz inactif, c'est déjà une notion qui est, à mon sens, pas toujours très très bien expliquée et évoquée dans les notices d'utilisation des ordinateurs, mais pourtant c'est un paramétrage qui est essentiel et qui peut être tellement lourd de conséquences qu'il faut toujours l'avoir à l'esprit et le considérer avec la plus grande des méfiances. Attention quand même avec Garmin pour la rando, vu les technologies qu'ils préparent, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des surprises. C'est un petit GPS pour les balades dans les calanques, ça marche super bien. Est-ce que ça te dirait que je montre un protocole là en vidéo de changement de gaz, justement, vu qu'on Ah est oui, très sur volontiers. que tu pourrais commenter. Et juste avant, il y a une question de règle que je trouve assez pertinente. Sur pour toi, à partir de quel DTR tu commences à utiliser un bloc de déco? C'est une bonne question. Et il pose des bonnes questions, hein. Oui, ça c'est sûr. Disons que je pense qu'il faut bien distinguer deux types de DTR. La DTR du touch and go, c'est la DTR qu'on va avoir quand on fait. La DTR de la remontée plus une minute ou deux, qui sont vraiment des petites DTR. Quand on les majore,
Avec du palais de sécu, bon, on passe encore et quand on est en bonne santé, vraisemblablement, ça se passe bien. Après, dès qu'on rentre, on commence à rentrer dans des plongées où on va dépasser les 8-10 minutes de palier. Je ne parle pas de DTR, mais de palier. Il me paraît essentiel d'utiliser du bloc de déco parce que là, en termes de souplesse dans la décompression, on va vraiment gagner beaucoup. Alors après, il y a différentes stratégies hein, dans l'utilisation du bloc de déco. Mais si l'objectif, c'est d'augmenter la sécurité, dès 8 ou 10 minutes de palier, moi, ça me paraît essentiel d'utiliser un bloc de déco. Donc, tu as eu ta réponse, Rec. Maintenant, j'en profite pour montrer justement cette vidéo d'un changement de gaz. Alors, je vais rajouter, en théorie, il s'adresse à nous. Donc, nous allons partir du principe que nous, en train de regarder cette vidéo, sommes le binôme de notre plongeur. Plongeur qui est d'ailleurs quelqu'un qui travaille avec toi très régulièrement. Ouais, là, on a Par contre, l'occasion de vous présenter un des membres de l'équipe qui est un super instructeur et qui vous allez voir qu'il a un degré de précision technique qui fait plaisir et qui fait honneur au degré d'exigence qu'on cherche à développer chez tous nos plongeurs. et on était au planier avec de très belles conditions ce jour-là. Alors, envoyons ça. Voilà, vous avez un plongeur qui est parfaitement à l'horizontale. Vous voyez d'ailleurs ses palmes légèrement dépassées derrière. Et qui est en train de communiquer avec sa main le fait qu'il va passer sur son deuxième gaz. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie On va son gaz montrer. de déco. Ça, c'est le geste. Voilà. Geste. Voilà. Je remonte en entier. Un simple coup d'œil pour déterminer où est son détendeur. Immédiatement, son regard repart devant lui pour conserver ses points de repère, pour savoir. Pour observer les particules et contrôler sa flottabilité. Et ensuite, il va mettre en place son détendeur de secours autour de la tête. Alors avant, il fait autre chose. Voilà, il ouvre son robinet. Ça ne veut pas dire qu'il était fermé, mais sa bouteille était ouverte de 2 ou 3 quarts de tour pour être certain qu'il n'y ait pas de problème de fuite. Il contrôle la capacité du détendeur à fuser, il contrôle la composition de son mélange par rapport à sa profondeur Qui est et écrite ici qui est aussi. également reporté sur le détendeur de secours. Donc là, on augmente le degré de sécurité. Il présente sa bouteille à son binôme pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la profondeur. C'est donc un double contrôle, un double check avec le binôme qui valide la profondeur de changement de gaz à la profondeur courante. D'ailleurs, le binôme a validé. Vous avez remarqué qu'il y a une petite girelle qui est passée au milieu du signe OK. Ça ne mange pas de pain. Ah ouais? Ouais, pas Attends, loin. oh, tu as l'œil! Il faut toujours avoir l'œil. Ah, Voilà. c'est le goût du détail, les amis, hein. Même les poissons s'y sont mis. Voilà. Donc là, on a la validation du binôme qui nous dit là, la. Il y a une cohérence entre la profondeur et la composition et l'étiquetage. Le plongeur passe le détendeur derrière son cou. Il prend le détendeur de secours en bouche. Pendant tout ce temps, son détendeur principal reste en main. Il n'est pas à l'abri de rencontrer un problème sur son détendeur de secours, son détendeur de déco, pardon. Et donc, il conserve son détendeur principal en main. Il va réaliser ses 3 cycles ventilatoires et de 1. Et de 2, et de 3. Et là, donc, on valide le bon fonctionnement du détendeur de déco. Il accroche son détendeur principal qui reste pas très très loin, mais qui ne va plus le déranger. Et une fois que ça c'est fait, donc là, il est déjà en train de respirer un gaz qui participe à sa désaturation, il va valider le changement de gaz sur l'ordinateur pour avoir un nouveau calcul de DTR. Et donc ça, c'est justement les choses qu'on apprend dans. Ça fait partie d'une des choses que l'on va apprendre dans le Nitrox confirmé. Absolument. Et qu'on On va en aussi apprendre passe. sur les niveaux trimix, sur l'extended range, sur l'intro to tech, enfin, sur tous ces niveaux. On passe le bonjour à Francis qui est là et qui nous a découvert une épave la semaine dernière. Bravo Francis. Il a un sens de l'orientation qui n'appartient qu'à lui. Alors, par contre, j'ai une remarque de Thibaut Marchal. Marquer la profondeur sur le détendeur est une erreur d'après moi. S'il y a un mauvais montage avec un autre détendeur en surface, c'est dangereux. Alors, c'est pas faux, mais à ce compte-là, on Alors, pourrait aussi parfaitement se dire. est-ce que tu peux justement, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire marquer la. Ah, marquer la profondeur sur l'embout de. D'accord, j'ai compris. Oui.
Alors, sur l'embout du deuxième étage, là, on a notre plongeur Ici, regardez. qui a indiqué la profondeur. Il aurait tout aussi bien pu indiquer la composition. Il est plus intuitif de noter la profondeur parce que, avec la lecture de l'ordinateur, on voit si la profondeur est cohérente. Ce que je comprends de la question de la remarque de Thibault, c'est qu'on n'est pas à l'abri de faire une erreur, c'est vrai. Mais au même titre qu'on n'est pas à l'abri de faire une erreur, c'est que quand on a plusieurs gaz, on analyse plusieurs bouteilles, on pourrait parfaitement inverser des étiquettes. Et c'est pour ça, entre deux bouteilles avec des compositions différentes, et c'est pour ça que l'on se doit de faire preuve de rigueur, c'est que tout un processus d'analyse de bouteilles est un processus suivi et respecté, où quand on analyse sa propre bouteille, notre bouteille ne nous échappe pas des mains. Une fois qu'on a fini de l'analyser, on met immédiatement l'étiquette associée avec la composition qui a été analysée immédiatement pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion ou de blocs qui s'échangent avec un binôme. Et une fois que c'est fait ça, que ça c'est fait, donc il y a une certitude que l'étiquetage primaire de la bouteille est bon, a priori, on a peu de chances de faire d'erreur sur l'étiquetage secondaire du deuxième étage. Mais tout ça, c'est une question de vigilance et de méthodologie au moment de l'analyse du gaz. Après, techniquement, moi, j'ai jamais vu sur un bateau de personnes échanger des premiers étages sur des tendeurs, sur des blocs de déco. Mais Non, mais là où je ça, rejoins assez Thibaut, c'est que avec la force de l'habitude, il faut être très vigilant et c'est que vrai. nous on l'a vécu, hein, ça serait ridicule de s'en cacher, mais il n'y a rien qui ressemble plus à un S40 qu'un autre S40. Quand je dis la S40, c'est une bouteille de 5 litres 7, c'est comme celle qu'il est en train d'utiliser le moniteur. Lors d'une phase d'équipement un peu à la hâte, si vous confondez deux bouteilles qui se ressemblent quasiment en tout point, dans laquelle il y aurait du nitroc 50 dans l'une et de l'oxygène pur dans l'autre, les conséquences peuvent être gravissimes pour les deux plongeurs. Donc, ça demande énormément de vigilance depuis l'analyse jusqu'au moment où on va accrocher la bouteille. Et je pense qu'il faut être très prudent et très humble là-devant et faire vraiment très attention du début à la fin et avoir le degré de concentration qui permet de réduire ce risque à zéro. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques concernant ce changement de gaz avec une bouteille S40 qui d'ailleurs n'a rien à voir avec le PTH 70, ceux qui savent savent de quoi je parle. Private joke. Je pense qu'on peut retourner sur ton document pour continuer la présentation, Oui, sauf s'il y a des questions. et peut-être qu'on peut aborder les deux Oui. dernières images, à savoir, parce que parmi vous, là, il y a quelques plongeurs recycleurs qui sont là. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la planification en recycleur, mais ça me paraît intéressant de l'évoquer, parce que dans tout le raisonnement qu'on vient de faire sur la planification en circuit ouvert, on vient de comprendre que la planification consistait essentiellement à gérer un stock de gaz. Et pour ceux qui auront suivi, ou qui sont plongeurs recycleurs ou qui auront suivi le premier live, vous avez bien compris que en recycleur, il n'y a plus de problématique de gestion de volume de gaz. Donc en fait, la question qui se pose avec un recycleur, quand on parle de planification, c'est plus de gérer les stocks de gaz, mais c'est, alors pour une part, gérer un peu les stocks de gaz, parce que pour certaines plongées très engagées, ben, il faut beaucoup de gaz dans le recycleur, ou en plongée souterraine par exemple. Mais la problématique essentielle que l'on rencontre quand on fait de la programmation et de la planification de plongée en recycleur consiste essentiellement à s'assurer que l'on dispose de la quantité de gaz nécessaire et suffisante pour réagir à une avarie du recycleur et donc de disposer de la ressource de gaz en circuit ouvert dans l'hypothèse où la machine rencontrerait un problème. Et la question que l'on doit toujours se poser, au même titre qu'on s'est dit tout à l'heure que pour un plongeur donné, avec un volume de gaz donné, pour une consommation donnée, correspondait une DTR à ne pas dépasser. Pour un plongeur recycleur, le raisonnement, c'est toujours de disposer de la ressource de gaz qui permet de sortir du pire problème au pire moment. Le pire problème au pire moment, c'est la noyade, c'est-à-dire l'inondation totale de la boucle respiratoire à la fin du temps fond, donc au moment où on a la plus grande saturation, et de disposer de la quantité de gaz qui, par rapport à sa respiration, permet de sortir de là avec une marge de sécurité. Donc pour tout bon plongeur recycleur qui se respecte, le plongeur recycleur doit connaître sa DTR max à ne pas dépasser en mode recycleur, qui lui permettrait de sortir du pire problème au pire moment, eu égard à son volume de gaz et à sa diversité de gaz embarqués et à sa fréquence ventilatoire. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Quand on parle de recycleur, forcément, il y a quelques raisonnements qui sont un poil plus complexes et un peu plus alambiqués. Alors, juste excuse-moi, moi j'étais en train d'envoyer des messages dans le chat. Apparemment, on Oui. est passé à côté d'une question
qui est revenu deux fois, de Scuba Maestro et ensuite de Maxime. Est-ce que l'on pourrait confirmer ou pas donc le message de Scuba Maestro sur le fait que les paliers et DTR sont calculés avec le gaz de fond pour Shearwater? Alors, cette question consiste un peu à revient un petit peu à la remarque que j'ai faite tout à l'heure concernant le gaz actif et le gaz inactif. C'est-à-dire que par défaut, quand un shearwater est paramétré avec un seul gaz on, de l'air, dans le cas qui nous a intéressé tout à l'heure, le calcul des paliers est fait, la valeur de la DTR est donnée en respirant uniquement de l'air. Dans le cas où on mettrait un autre gaz on, la valeur de DTR qui est adjurée et qui est affichée, donc si on a deux gaz on, c'est la DTR en respirant impérativement ces deux gaz et en assurant le changement de gaz à partir de la profondeur de la MOD de chacun des gaz. Alors, je ne sais pas si c'est bien la question qui était posée, mais moi, de la façon dont je la lis, c'est ce que je comprends. Et la MOD, pour ceux qui passeraient à côté, c'est la Max Operating Depth, c'est la profondeur maximale d'utilisation d'un gaz avant que son mélange ne devienne toxique. Par exemple, du Exactement. 50-50, 50% d'oxygène, 50% d'azote, on va être sur une MOD aux alentours des 20 mètres. Ouais, 22 mètres, exactement. T'as beaucoup de coucou de différentes personnes aussi. Je Salut t'invite à les les amis. saluer. Coucou à Merci, tous. Ça merci fait beaucoup plaisir d'être là. de vous voir et de vous lire. On atteint 44 spectateurs en ce moment. Ça fait plaisir de passer Non, ce petit moment tous ensemble. on a été plus que ça même. Donc, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur la planification de la plongée recycleur? Moi, j'étais en train de chercher des liens pour vous envoyer justement le replay de notre live sur le recycleur. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez raté. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter des choses sur la planification de la plongée recycleur? Non, écoute, là, à ce stade, je pense qu'on a donné beaucoup d'informations. Alors, elles sont évidemment générales, mais par contre, elles sont, à mon avis, assez synthétiques pour donner une bonne vision d'ensemble. Là, après, quand on veut creuser, aller plus loin, mais il faut se lancer, quoi. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on vient d'évoquer peut d'abord donner l'eau à la bouche pour ceux qui ne l'ont jamais fait, et puis rappeler quelques grands principes de base pour ceux qui pratiquent déjà dans ces conditions-là. Et on va à nouveau répondre à Scuba Maestro. Donc, ça veut dire que si l'on ne fait pas de switch de gaz, la DTR augmente en palier. Alors, moi, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, je vais peut-être essayer de reformuler. Si tu ne fais pas de switch de gaz, ça dépend si tu as mis ton gaz en actif ou en passif. Si ton gaz Alors était en non, passif, ah. non. Si tu permets, je vais répondre à D'accord. cette question. C'est que dans le cadre du shearwater, alors justement pour ceux qui ont utilisé d'autres ordinateurs comme les OSTC, le comportement de l'ordinateur n'est pas le même. Dans le cas où on ne switche pas le gaz sur un ordinateur, sur le shearwater, à partir de la MOD, donc du Nitrox, le phénomène auquel on va assister, c'est que la DTR affichée ne va pas s'écouler à sa cadence normale. C'est-à-dire que si vous avez une valeur de 14 minutes de DTR qui s'affiche et que vous ne changez pas de gaz à ce moment-là, normalement, dans des conditions optimales, une minute après, cette DTR de 14 doit passer à 13. Et là, si vous ne le validez pas, eh ben, la cadence de décompte va s'allonger. Et donc, il va peut-être falloir attendre 5 minutes avant que cette DTR à 13 passe à 12. Quand d'autres ordinateurs comme l'OSTC, et ça, à mon sens, c'est quand même un poil plus intuitif, c'est que si je ne switch pas mon gaz, dès que je passe la MOD de mon gaz de déco, là, ma DTR explose. Parce que l'ordinateur nous fait le rappel de dire, tu m'avais promis ce gaz à cette profondeur, et je ne l'ai pas. Donc comme je ne l'ai pas, il faut que tu sois conscient du fait que le prix à payer pour arriver au bout de ta plongée, ça va être de te taper tant de minutes de palier et tant de DTR. J'espère que du coup, pour Scuba Maestro, la réponse est un peu plus claire. Et là, ça fera un joli petit blanc pour notre monteur qui sera un Exactement. plaisir de la couper. Exactement. Car les lives ensuite sont montés pour les replays afin qu'ils soient plus agréables aussi pour vous de les voir ou de les revoir. On va finir sur la dernière slide tranquillement, sur les belles plongées marseillaises. L'intérêt à Marseille, c'est qu'on a beaucoup de profils de plongées différents. Absolument. On a beaucoup de plongées, de profils de plongées différents qui vont nous amener. Alors, on avait fait un t-shirt il y a quelques années là, chez Plongée Tech Marseille avec les sites emblématiques. Les incontournables sur Marseille, c'est évidemment notre trio d'épaves dans la rade sud, le Miquelon, le Corbillon et la Drôme, qui sont entre 50 et 56 mètres de profondeur.
Et ça, c'est typiquement des plongées qu'on fait là, sur ces qui nécessitent de la planification avec des plongées profondes, avec de l'air plus d'écho ou trimix plus d'écho. On a également tous les sites qu'on va retrouver dans le parc des Calanques, à savoir les légendaires plongées sur les impériaux, que ce soit l'impérial du milieu ou l'impérial du large. Très très belle plongée qui va jusqu'à quasiment 80 mètres de profondeur. Les plongées sur le tombant de Caramassègne ou sur le Grand Condu, qui sont des plongées très profondes, nécessite toute cette précision et cette vigilance sur la qualité de la décompression. Alors peut-être que Kevin, d'ailleurs, tu as quelques images à nous partager de ces sites. Je sais que tu avais fait quelques images. Si c'était Moi, le j'ai cas. plus des images. J'ai pas pu faire les impériaux avec des images. J'ai plus des images de nos grottes ou des plongées plus accessibles, notamment des épaves que l'on va voir au planier que je peux présenter. Bah, Mais j'ai pourquoi pas pas? encore d'images bien plus profondes, car pour moi, je prends encore ce type de plongée très au sérieux. Donc, j'évite de prendre des caméras Alors, je te quand. propose effectivement, et on va peut-être finir là-dessus, parce que ça me paraît être une très belle conclusion, et si Jérémy est encore avec nous, il va pouvoir en attester. Il y a un très beau parcours, un très bel itinéraire qui peut se faire sur l'île de Planier, qu'on fait assez régulièrement, qui permet en une Alors. seule plongée de plonger sur quatre épaves différentes. Et c'est une plongée qui est pas simple, simple, mais qui peut se faire pour des plongeurs en circuit ouvert confirmés, en faisant un itinéraire qui va depuis le Larguer de Planier, lancé sur une épave d'avion, le Latécoère, qui est à 60 mètres 00. Moyennant une petite navigation sur le fond, vous amenez sur une chaloupe qui est à 54 mètres de profondeur, la chaloupe du Chaouen, qui s'était éloignée de l'épave du Chaouen. En respectant un cap précis, vous pouvez poursuivre votre plongée en finissant sur l'épave, en poursuivant sur l'épave du Messerschmitt à 42-44 mètres. Et vous pouvez faire toute cette plongée avec un B10 ou un B12R. Ensuite, rejoindre le tombant de Planier. Et là, en utilisant, donc là, dans une configuration Juste, Extended j'arrive pas à Range, voir. on t'entend grogner, hein, Kevin. Pardon, On excusez-moi. pourrait sur le tombant utiliser un Nitrox 32 pour profiter du tombant. Alors, le Nitrox 32, il a cet avantage, c'est que quand vous le Nitrox 40 dans ses profondeurs de 30 à 40 mètres, c'est que quand vous arrivez d'une grosse plongée, d'une grosse profondeur dans les 60 mètres, à la seconde où vous allez passer sur ces Nitrox 32 ou 40, vous allez quasiment réussir à bloquer l'augmentation de la saturation. Donc vous arrivez à des profondeurs de 30 mètres, et en ayant recours à ce mélange, vous allez pouvoir profiter pendant un bon moment du tombant. Alors vous ne désaturez pas, mais vous saturez plus. Et vous allez pouvoir profiter du tombant pendant un bon moment et peut-être aller jusque sur le tombant de la goutte d'eau à Planier, qui est une station de nettoyage pour poissons lunes très connue. Et donc là, on est déjà quasiment à 40, 45 minutes ou 50 minutes de plongée. Donc on vient déjà de se faire trois épaves et un tombant avec de fortes chances de rencontrer des poissons lunes. Et à la fin, on va poursuivre notre exploration sur l'épave du Saouen, qui est un cargo d'une centaine de mètres. Et une fois que l'exploration de l'épave se termine, donc là on est sur le Saouen, et bien on va se rendre sur le plateau de la Pierre à la Bague. Et là, avec un Nitrox 80, on va venir à bout de nos 30 ou de nos 30 minutes de palier restant, et on va finir notre plongée dans des conditions de sécurité optimales, en ayant fait peut-être 1 h 30 de plongée dans des conditions absolument folles. Marseille est capable de nous offrir ce genre de terrain de jeu et ce genre d'aventure. Et donc pour répondre à ta question, Johan, en une seule plongée, oui, Absolument. tu peux tout faire. Absolument. Rekwan, on y va quand tu veux, je serai enchanté vu la qualité de tes questions. Je ne doute pas de la qualité des aventures que l'on pourrait vivre ensemble. Bah, Rec qui est déjà passé plusieurs fois déjà chez Plongée Tech Marseille. Et Johan aussi, qui a fait un baptême de recycleur avec nous. Donc ce sont déjà Bon, des habitués de la maison. Sont déjà des habitués de la maison qui ont pris goût à tes plongées, qui sont venus via justement les vidéos qu'on a pu produire ensemble tranquillement. Et on peut tranquillement finir sur cette petite exploration du Chaouen. Si vous avez quelques questions, c'est le moment.
Et oui, Johan, c'est le mec qui plonge en jean sous sa Oui, combinaison je viens de étanche. dire ça, et effectivement, maintenant, ça y est, je percute. C'est une situation qui est C'est un suffisamment rare puriste. pour, voilà, pour une situation qui est tellement rare que quand ça arrive, on ne peut qu'apprécier. Je crois même lui avoir d'ailleurs suggéré que peut-être pour augmenter le pouvoir isolant, il pouvait peut-être mettre un perfecto en haut, quoi. Ce serait vachement classe. C'est la classe. Bah, n'hésite pas, Rec. Tu as vu, il y a une nouvelle question. Je t'invite à la lire à voix haute, Nicolas. Pourquoi le nitrox à la place de l'air n'est pas utilisé en France? Quel est ton point de vue de gérant de centre de plongée? Le nitrox est évidemment un gaz qui est particulièrement intéressant. Dans l'ADN de la plongée française, comme on a la possibilité de pouvoir plonger profond avec de la déco, le nitrox est un empêcheur de plonger profond. C'est-à-dire que dès qu'on plonge avec du 32, bon, on ne peut plus aller profond. Alors ça commence à se développer. Il y a une autre approche de la plongée qui se développe en France, et de plus en plus, il y a des plongeurs qui ne veulent pas forcément aller plonger au-delà de 40 mètres, et qui du coup sont très contents à l'idée de pouvoir plonger au nitrox. Alors nous, on propose des plongées au nitrox au sein de la structure, évidemment. Il y a effectivement une stratégie intéressante à développer pour les centres de plongée. Alors c'est des investissements qui peuvent être un peu lourds à porter, parce que pour ceux qui veulent proposer du nitrox en grande quantité, ça impose forcément des installations de gonflage qui sont très très chères. Je pense notamment aux membranes qui demandent beaucoup d'entretien et qui coûtent beaucoup d'argent. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément tous les clubs de plongée qui peuvent se permettre ça. Je trouve globalement que la tendance va vers ça. Peut-être que la plongée profonde commence à être plutôt une pratique qui se réserve aux plongeurs tech. Sans en faire une généralité, mais c'est plutôt la tendance. Et pour les plongeurs qui veulent plonger un peu moins profond, mais qui veulent plutôt profiter et être dans le plaisir, dans une démarche plus récréative, l'utilisation, le recours au nitrox tend à augmenter. Pour ceux que ça intéresse, on est sur. Parce que moi, je suis un grand adepte du Nitrox lorsque je travaille en saison dans les eaux chaudes. Lorsque j'ai travaillé à l'étranger dans les eaux chaudes. Il y a une question de Johan qui nous Ouais. demande pour les applications. Effectivement, Il l'avait posé tout à l'heure, on l'a oublié. on l'a oublié. Il y a de très bonnes applications qui existent sur téléphone. Je pense à Baltic, à Multideco. Ça, c'est des applications qui sont très très bien. Il y avait Baltic, tu l'écris comment? Avec un C ou un K? Baltic, oui. De mémoire, il y avait Baltic. Ideco Pro. Alors, je ne sais plus si ça existe toujours, mais qui était plutôt une application qu'on trouvait sur les iPhones. Mais je sais qu'entre Multideco et Baltic, on avait des logiciels qui étaient assez performants et qui permettaient de quasiment tout planifier. Donc c'est vraiment des applications qui tiennent la route. Kevin, ça va être peut-être le moment de... Absolument. Là, on est dans la cale. Ça va être le moment de finir ce live, sauf s'il y a encore des questions. On accepte les plongées belges à Marseille pour les plongées profondes. Bien sûr, et comment? Beaucoup de respect pour les plongeurs belges qui sont de super, super plongeurs. Sur ces beaux mots, je pense qu'on peut se quitter. Je vous invite tous à remercier Nicolas pour ce live. Pour information, nous essayons de poster une semaine à l'avance les sujets des prochains lives. Donc n'hésitez pas à suivre Nicolas. Sur Instagram, je viens de vous poster le lien à Plongée Tech Marseille. C'est là où on essaie de communiquer. On communique aussi sur Facebook. Si vous voulez craquer pour du shearwater ou pour du matériel, n'hésitez pas à demander plus d'informations à Plongée Tech Marseille et à la boutique Tech. Et pour voir ou revoir ce live, si vous avez raté le début, si vous avez raté un morceau, ou si vous voulez voir d'éventuels anciens lives que nous avons faits, c'est sur la chaîne YouTube de Plongée Tech Marseille. Et non, Albert, il n'y a pas encore de scaphandre pour ton chien, mais techniquement, il a le droit de monter sur le bateau, ce qui est déjà un beau privilège. Quand il monte pas, c'est tonton Nico qui s'en occupe. En plus, donc, bah, il a appris à gonfler du nitrox, non, pendant qu'on était en mer. Absolument, on n'a pas perdu de temps. Et je vous partage ici la chaîne de Plongée Tech Marseille pour voir le replay qui devrait être accessible le temps de faire le montage et de le télécharger mercredi soir ou jeudi dans la journée. Je te laisse le mot de la fin et puis on va se quitter tranquillement. Les amis, je vous remercie à tous pour votre participation, pour votre fidélité. Je ne sais pas si on peut commencer à parler de fidélité, mais en tout cas, moi, je suis très content de ce rendez-vous mensuel qu'on est en train d'instaurer avec Kevin, qui m'a poussé dans mes retranchements en termes de communication, et ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et il aura réussi le défi le plus fou, c'est de réussir à me faire prendre du plaisir avec ça. Donc, merci à lui et merci à vous. Pour les prochaines, l'idée, c'est aussi de vous donner encore envie. Donc, n'hésitez pas à
nous faire parvenir peut-être à la fin du chat vos envies, les sujets que vous aimeriez qu'on traite pour la prochaine fois. Comme ça, au plus tôt on le sait, et ça nous donne la possibilité de faire du contenu de qualité, des images à propos, et donc de vous faire des lives qui donnent envie et qu'on pourra partager pour le prochain au mois d'août. Donc ça sera vraisemblablement à la fin du mois d'août. Ce serait mieux, oui, Ouais, effectivement, à ça la serait fin mieux. du mois d'août. Au revoir les amis, on va disparaître, on va se laisser sur quelques petites images du Shawen et on pourra encore lire vos messages pendant quelques minutes, mais on note pour les what if, Au et revoir oui. à tous les amis, à très bientôt. Merci pour vos suggestions, pour vos suggestions par avance. On lit ça avec attention et comme ça, on vous propose quelque chose de croustillant pour la prochaine. Merci.